De cette occupation à la multiplication de la faculté de médecine et de pharmacie, au cours de ces dernières années, s'est fait sur le nombre de places disponibles dans des amphithéâtres et non pas sur la capacité d'accueil des stages dans les autres. En tout cas, j'ai discuté avec certains médecins. C'est le sentiment dégagé par beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de facultés de médecine, il y a beaucoup d'étudiants en médecine, mais très peu d'hôpitaux pour les accueillir. Ceci pose évidemment un problème de formation. Un problème de formation, n'est-ce pas, de nos médecins. J'ai entendu d'ailleurs que la médecine, le doctorat en médecine, je veux dire, n'est-ce pas, c'est un doctorat professionnel, parce que la médecine, c'est le contact entre l'étudiant et le malade. C'est beaucoup plus. Mais semble-t-il, ce contact-là entre le médecin et le malade, c'est à l'hôpital, c'est en faisant des stages, que les médecins sont mieux formés. Monsieur le Ministre, je note une troisième préoccupation, je note une certaine déconnexion entre les ministères qui s'occupent, n'est-ce pas, de la formation. Il y a entre le ministère en charge de la santé publique, le ministère en charge de la ministère de la Recherche et le ministère de l'Enseignement supérieur. J'ai l'impression qu'il y a une certaine déconnexion au niveau de la formation de l'ensemble des médecins. Que pense réellement M. le ministre? Est-il satisfait de l'état actuel des rapports entre ces différents ministères qui sont chargés de la formation au niveau supérieur, qui sont chargés, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur. Bon, à l'article 103, bon, chapitre consacré aux étudiants. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les étudiants, peut-être, ont le droit d'élaborer par la formule les étudiants, n'est-ce pas, peuvent contribuer, est-ce que c'est vraiment un droit? Moi, j'aurais souhaité que la formule des étudiants peuvent contribuer à élaborer ce projet. Donc, le droit élaboré par contribuer. Merci, M.